Twinstone, The Journey of Buka est un jeu de plateforme en 3D développé par Oasis Balloon Studio et publié par ESAT. Sorti en Early Access le 12 juillet 2021, il est disponible gratuitement sur PC. Vous incarnez Buka, un jeune chasseur qui doit sauver un monde mystique avec l'aide du dieu Shiva. Explorez des environnements magnifiques et relevez des défis uniques en utilisant des mécanismes tels que des sauts muraux et des plateformes mouvantes. Si vous aimez les jeux de plateforme plein d'action et d'aventure, c'est un titre à essayer. Abonnez-vous pour plus de vidéos découvertes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte de Twinstone, The Journey of Buka. Je préfère vous prévenir tout de suite, je ne sais absolument pas quel jeu c'est. J'ai lancé le jeu, je vais découvrir ça avec vous. J'ai vu que c'était de la 3D, que ça ressemblait un petit peu à des platformer, mais vite fait. Donc en tout cas, c'est un grand plaisir et on va y jouer donc à 60 FPS en qualité maximum sur le jeu. Donc je lance le jeu, je vous mets sur l'écran, c'est parti. Donc on démarre. Le jeu est en anglais, j'ai regardé dans les menus, il n'y a pas de français apparemment. Donc j'espère que ça ne sera pas trop compliqué à ce niveau-là. Voilà. Découvrons peut-être une cinématique. Pas de cinématique. Oh non, c'est un jeu à patoun. Ok. Alors il y a des légères saccades. Ça a l'air d'aller en vrai. Bon, il n'y a pas d'introduction. Le tuto, ok. Just another day of hunting. Un autre jour de chasse. Je n'ai pas eu beaucoup de mal, de chance. Donc là, il va falloir chasser parce qu'il a peur de mourir de faim, tout simplement, d'être affamé. Alors, c'est pas trop compliqué. Le jeu est plutôt beau, hein, n'empêche. Par contre, ça se voit que c'est fait par une petite équipe. Hein. Ça, c'est un jeu étudiant, ça. Hein. Peut-être un peu plus qu'étudiant, mais c'est un jeu étudiant, les gars. Je vous le dis. Faut pas attendre non plus mon émerveil. Hein. La physique est sympa. Le système de... Mince. Ah oui, c'est pas nager, d'accord. C'est pas grave, on va recommencer. Donc, la physique est sympa, la physique des... Vous voyez, quand on tombe dessus, il bouge. Ça bouge un petit peu aussi en fonction de là où on est sur l'objet. Au niveau des contrôles aériens et tout, ça va. Même... D'accord, donc on peut taper avec B. Ok, nickel. Franchement, pour l'instant, c'est propre. Hein. Alors, on sent que c'est un peu rigide et tout, mais c'est un jeu qui date quand même. Donc là, il y a plein de monnaie. Une créature en moins. Pourquoi il y a des papillons, là? Ah! Faut que je suive. Oula, oula. D'accord, on change de... Ah oui, il est passé là. Donc là, on tape. Hop, hop, hop. Let's go. La petite save. Il y a un petit son aussi derrière qui est pas... On dirait un tambour. Franchement, moi, je trouve que pour un petit jeu comme ça, c'est propre. Hein. Et là, on glisse. C'est ça. Petite zone de combat. Ok. C'est vraiment propre. Hein. Alors, ça fait très vieillot quand même, hein, la 3D, mine de rien, mais... And I'm the deity of destruction. Faster, there's no time. Pick me up, I will explain along the way. Ok, donc maintenant on a un ami qui nous suit, une sorte de dragon. Et ben à quoi il va servir? The road is blocked. There doesn't seem to be any way across. If I have enough power, I could clear the way. There's an energy fountain right in front of you. Take me to it.
C'est bon ou pas? Je sais pas. Ah, d'accord. C'est ça, d'accord, j'avais pas compris. Ah, par contre, les changements de caméra, les gars, c'est horrible. Les changements d'angle. Et en plus, on est noté. Je savais pas. 3 minutes 50 pour faire celui-là. Ok. On continue. What is your name, Mordo? My name is Buka. Nice name, hey? Ok, nice. Je suis dans le vide là. Wouhou! Incroyable. Hein? J'ai plus qu'un cœur. Il fallait mûrir. Oh, il y a du wall jump. Incroyable. Donc c'est vraiment platformer 3D à patoon à l'ancienne quoi. Yes, but don't worry. The worst that can happen is that all of your species become extinct. Yes. Calm down, says this tiny creature. If you call me that again, I'm going to turn you into dust. Okay, sorry. Okay. Won't happen again. Alors, c'est vraiment basique, mais il fait les choses bien, ce jeu, pour l'instant. Hein. Il y a quoi ici? Ok, ouais, faut... c'est pour récupérer toutes les pièces. Oula. Ah, j'ai essayé d'aller jusqu'à lui, mais c'était trop tard. Il l'attaque trop rapidement. Donc là, on vient là. Ok, donc un coup, ça suffit. Let's go. Ok, donc là, nouvelle plateforme donnée, elle disparaît. You're telling me, Creech, Shiva, that if this is not stopped now, it will end up killing all of humanity? Are you deaf, kid? And everything will go back to normal? Yes. Then what are we waiting for? Let's go. Alors, ok. Donc, il était en train de dire que... Ils sont en train de dire que son frère, le frère du dragon qui s'appelle Shiva, qui est avec nous, il allait détruire l'humanité. Et du coup, elle veut l'en empêcher. Voilà. Ok, il faut aller à son temple. Ok, nouvel élément, le grappin. Et... Ah, là fallait sauter. Ok. Allez, hop. Does this have anything to do with the recent changes in animal behavior? Of course, my brother has applied a curse on all animals. Ça c'est fait. Plus facile quand il y a des endroits où se cacher quand même. Ouais, plus facile, mais s'ils en mettent plus, ça va pas trop le faire. Quoi? Oh, c'est de la triche là. Ça délaisse son coup le temps qu'il tourne. C'est... Je me suis fait arnaquer là. Alors là, faut aller à droite ou à gauche?
On voit un grand rayon lumineux qui va jusqu'au ciel par là-bas. Je me demande vers où je dois aller. On va aller voir par là vite fait. Enfin, je pense que c'est juste pour avoir des pièces et tout. Je vais pas vraiment y aller. Hein. Quoi? Donc là, c'était une zone dangereuse. Je sais pas ce qu'il y a au bout. Parce que là-bas aussi, il y a un trait lumineux, hein, mine de rien. Ah, par contre, je crois que c'était vraiment la zone dangereuse, hein. Mais ça triche aussi, les gars. Ils réagissent pas comme ils devraient. Genre, il y en a un, il arrive, il saute derrière moi, et l'autre, il est bloqué, et au moment où j'arrive au cac, il fait son attaque. Comment tu veux esquiver ça? Allez. On se fait pas toucher, on n'est pas idiot jusque-là, quand même. Un dernier. Ah mince. Ok, il s'est tué tout seul. Oula. On y va tranquillement. Mais c'est pas possible. Oh là là. Je le fais exprès, c'est pas possible. J'y étais en plus, hein. Ah oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Pourtant, j'étais pixel, hein. Pixel dans le sol, mais pixel quand même. Et pourquoi il y a un... Ourion! Ok. Et si je vais dedans là, je suis soigné ou pas? Comment est-ce qu'on se soigne dans ce jeu? Ok. On peut pas être soigné si on meurt pas. Oh là là. Ça y est. La petite save. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Hop, hop, hop. Ta-da-da. Donc fallait bien faire les deux, hein, de toute manière. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Donc je vais revenir. Je vais suivre le chemin, tout simplement. Puis ils vont m'emmener là où je dois aller. Hein. Qui est exactement là. Oh non, pitié! Arrêtez ces changements de caméra! C'est dangereux par ici. Mince. J'ai sauté trop tôt, les gars. J'aurais dû attendre d'être sur le bord. Bon, moi j'ai toute ma vie. Oui, d'accord. Ils ont mis cette corniche parce que pour tous ceux qui ne le voyaient pas. Excusez-moi, je suis un peu malade. Après, à ce rythme-là, les gars, si ça se trouve, je vais finir le jeu. Hein. Honestly, those bugs give me the creeps. They are completely harmless, though.
Alors quand t'as compris le principe avec les insectes, après ça passe tout seul. Hein. Je me disais, ça fait un moment qu'on n'avait pas d'H. Enfin, glissé. Ok. Ça coule de source, hein, n'empêche. Mine de rien, le level design est vraiment, vraiment bien fait. Hein. Le jeu est pas dégueulasse, vraiment. Franchement, pour de la 3D de... Alors, je sais pas si c'est sorti quand, mais... À mon avis, ça fait un petit moment. Mais les graphismes sont pas mal. Le level design, nickel. Quelques problèmes d'animation et de collision des ennemis avec le décor. Mais en soi, il est... I'll never get accustomed to those mushrooms. Attendez deux secondes. So, tell me more about the curse. Before, my brother and I lived peacefully in our temple, keeping balance in the world. Ça devrait être mieux. One day, suddenly, a human usurped the stone where I resided and, well, you know the rest. On fait ça, hop là, hop là. Voilà, faut pas sauter trop non plus. Hein. Ah, les petits vicieux. Ah, les petits vicieux, je vous ai vus. Hein. Ah, d'accord. Ok, faut sauter et slide sur le mur. Alors, attendez. Slide, c'est X normalement. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Bon, en tout cas, ça marche. Those are pockets of air that can propel you. Right button. Right button. Ah oui, ok. Nouvelle mécanique, ils arrivent à se renouveler vraiment. C'est vraiment pas mal. Je vais aller à gauche. Hein. Non, je sais pas où aller. Ouais, attendez, parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où aller. Je déconne pas. Hein. Là, ils viennent de dire qu'il y avait trois puits d'énergie à vérifier. Donc c'est... Ok. Humans. But your brother is the god of creation. Isn't he good? There are times when what he creates behaves in a different way than we would like. They are corrupt, and my job is to destroy them. Alors là, je suis pas tout à fait sûr de ce que je vais faire, mais non. Je voulais tenter s'il y avait le slide sur le mur, mais non. Donc là, en fait, faut monter. On va faire le chemin qui est prévu. D'accord, c'est juste pour des pièces. Non, c'est pas que pour des pièces. Non. Oh, j'ai pas sauté assez loin. Cet arc-en-ciel, là, il fait plaisir. Voilà, là, je suis bien. Ah, là, je suis pas bien. Oh. C'est dur, hein. Là, cette zone, elle est dure, hein. Parce que les hitbox, les gars, elles sont vraiment toutes petites. Une hitbox, qu'est-ce que c'est, les gars? C'est la... Comment? Le cube de détection, en fait. C'est la zone de détection d'une collision entre le joueur et le décor. Et là, bah, les plateformes sont toutes petites. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous voyez, je pensais arriver ici. Je suis arrivé sur un endroit bizarre, déjà de base. Donc la plateforme, elle n'est pas assez grande pour ce qu'ils ont fait. Mais vas-y, on fait avec. Ah, c'est le spécial coin. Ah, c'était une zone secrète que je viens de faire. C'est pour... À mon avis, c'est pour ça que c'était plus difficile. Ok, donc là, j'ai été ramené ici. Qu'est-ce que je fais?
Je descends. Hein. Je descends. Et là, je devais aller sur la fleur. On saute. Ok. Let's go. C'est vrai que c'est tout de suite plus simple hein, quand on suit le chemin. La petite save. Donc là, on en a eu un. C'est vraiment un plaisir. Hein. Donc là, on nous incite à aller par ici. Moi, je vais plus faire les combats, les gars. Hein, c'est... Les trucs ils sont complètement bugs. Ah oui d'accord. Bon ils ont. J'allais dire ils ont été gentils, mais alors là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est moi qui étais pas qui ai pas fait le bon truc à mon avis. Oula. What an enormous creature. It's Abasu, the king of the mountain. It is seen his heart, but you can damage his belly. Try to dodge the robo. Okay. Okay, let's go. Bon, je voulais pas me battre, mais je voulais tenter de voir combien il fallait de coups pour tuer ce monstre. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi je récupère les pièces, les gars. C'est vraiment... Genre, ça sert pas à grand-chose. Désolé à toute la commu. Je sais pas sauter. Alors, on y va. La petite save. Ah mince. Bah super. Je m'attendais pas à ce qu'il me piège là-dessus. Hein. Quoi? Putain, faut vraiment être pixel. Hein. Voilà. Et le deuxième... Il va en manquer un troisième. Donc on descend. Donc où est-ce que j'ai fait? Celui-là j'ai fait. Celui-là j'ai fait. Il manque celui là-bas là. Bon, en fait j'ai pas fait le plus facile non? Oula. Un petit lag. Donc là faut que j'arrive là-haut. Hein. Ah non, c'est pas là. Là, je reviens en arrière. C'est ici. Quoi? Oh, je vous ai dit, hein, c'est pas possible. J'ai body block sur le monstre, enfin sur la bestiole. Et du coup, bah, il m'a pas fait aller vers le haut. Attends, on va prendre un peu plus notre temps. C'est pas grave. C'est des problèmes, mais ça, c'est des problèmes assez compliqués à régler en réalité dans le développement d'un jeu. Vous savez, la physique, c'est vraiment très très compliqué. Oh là, oh là. Alors là, faut être pixel. N'empêche, il y a bien des sensations de plaisir hein, quand on joue. Moi, je vous le dis. Hein. Essayez le jeu, vous verrez. Il est vraiment agréable à jouer. Malgré... Malgré quelques petits défauts par-ci, par-là. On verra, mais je pense que l'équipe, à mon avis, il ne doit pas y avoir plus de 10 personnes, les gars. Hein, je vous le dis.
Let's go. C'est où? Bah. C'est... Ah, c'était là-bas. Ça allait venir trop. J'avais perdu. J'étais perdu. Boum. Je me demande s'il va y avoir un boss. Are you crazy? I'll kill myself jumping there. It's too steep. Seriously, you have stored innumerable jump. Let's go. Ah mince, seul. Ok, ça va, ils sont gentils, ils sont gentils. Wouhou! Oh, j'adore cette phase, les gars. Oh, j'adore. J'ai toujours adoré ça, moi, les glisser là sur des trucs. Dans, quand je jouais à CS, j'allais tout le temps dans les maps sœurs. Donc j'adore vraiment, vraiment, vraiment énormément. Let's go. Eh, n'empêche, quand je vous dis que le jeu, il se renouvelle assez souvent. Hein. Vous avez vu? Ils nous ont fait 2-3 fois glisser, etc. Ils nous ont éduqués. Et derrière, ils nous mettent une vraie phase de glissade. Ils nous ont pas balancé dedans directement. So, what's this place anyway? This is a city that humans created after the Great Wars. Bon, après, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir, n'empêche, dans le jeu. Mais j'espère qu'ils arrivent encore à se renouveler derrière, et je pense que c'est le cas. Mais on va s'arrêter là, parce que... tout simplement... tout simplement parce que... eh bien, le jeu, à mon avis, va pas être très très long, les gars. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, j'ai beaucoup de plaisir à le découvrir. C'était ce que j'imaginais, c'était un platformer. Bon, Apatoon, ça, bon, bah, ça plaira pas. Après, le but du jeu, c'est quand même d'avancer, d'arriver à faire ce qu'on demande. Hein. Dans les premiers Mario, c'était à peu près ça aussi. Hein. On avançait, on sautait, et voilà, quoi, il y avait quelques combats. Donc, enfin, on pouvait sauter sur des personnages et tout. Là, je pense sincèrement que c'est une petite équipe. Alors, attendez, on va retourner au menu. Si on peut avoir les crédits... J'aimerais bien voir, mais je pense qu'il n'y a pas plus de 10 personnes, les gars. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, il y a 23 personnes sur le projet. Donc, c'est vraiment... Enfin, ça reste une petite équipe. Hein. Pour moi, c'est 10... Mais c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de choses. Donc ouais, c'est une petite équipe qui a fait ça. Mais le jeu est bien fait. Franchement, le jeu est bien. Il y a quelques petits soucis, encore une fois, comme j'ai dit, au niveau des ennemis qui se bloquent. Ou carrément, il y en a un. Il a commencé à faire l'attaque. Je sais pas si vous avez vu. Il a commencé à faire l'attaque. Il s'est tourné. Et en se tournant, en fait, ça a annulé l'attaque en cours. Sauf que quand il a fini de tourner, c'est repassé en attaque. Et du coup, bah en fait, il m'a attaqué instantanément, quoi. Ça n'a pas annulé, en fait, l'attaque quand il s'est mis à tourner. Ça l'a juste mis en pause. Et quand il a fini de tourner, c'est repassé en mode attaque. Sauf que bah, il y avait déjà... Je sais pas trop comment vous expliquer ça en tant que développeur. Mais en gros, ça a redémarré là où c'était. Alors que ça aurait dû relancer l'animation de l'attaque. Au lieu de continuer là où il en était. Bon, à part ça, c'est quand même... C'est un petit détail. Franchement, si on s'arrête que sur ça, voilà quoi. Les sons, franchement, ils sont vraiment bien. Regardez-moi ce menu. C'est genre rien que le menu. Le jeu est beau, vraiment très beau. Les sons sont bien. Les modèles 3D ont un petit peu vieilli. Moi, là, en tout cas, je le ressens comme ça. Et puis... Bah en tout cas, si ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à aller l'acheter. Hein. Je crois qu'il coûte pas très très cher. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous inviter à
à vous abonner si vous voulez voir d'autres découvertes en ma compagnie. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser les gars, c'est important. Et puis bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.